Salut, c'est Lune et bienvenue dans une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui les gars, on se retrouve pour une vidéo, ma foi, inhabituelle. Parce que bon, j'ai pas l'habitude de faire ça sur ma chaîne, mais je voulais quand même le faire. Alors aujourd'hui nous avons ce magnifique colis qui est, ma foi, assez grand. Assez grand, on peut le dire. Il est très très grand. Aujourd'hui, petite surprise, donc je suis avec Alien. Alien, tu peux venir nous rejoindre dans ce magnifique unboxing. On va tester ça. Alors, comment vas-tu? Je vais, toi? Très bien, je vais très bien. Donc comme je vous ai dit, je me suis fait une petite folie, vous avez sans doute vu dans la miniature. Bon, c'est le confinement, malheureusement je pourrais pas en profiter. Mais en fait, il y avait une grosse promo dessus. Je l'ai eu à pas cher du tout. Je l'ai eu à 200€ au lieu de 350€. Et je pense que c'est... Bon, je pense que c'est une bonne affaire. J'ai fait une bonne affaire. T'as fait une bonne affaire, voilà. 199€. Donc du coup, je me suis dit, je vais en profiter. En plus, c'est l'été. Et bon, il faut savoir comment en été, j'aime bien me déplacer pour aller voir mes potes et tout, etc. En fait, vu que j'habite à côté, du coup, j'aime bien me déplacer avec un petit truc. Au lieu de prendre la voiture, bah voilà, on est là. C'est électrique, tu vois. C'est électrique comme monsieur électrique. Donc voilà, c'est bien pour l'écologie. On utilise un petit véhicule électrique. Et puis voilà, au niveau de l'autonomie, je vous expliquerai après les dates, etc. pour ceux qui veulent. Donc c'est parti, on ouvre ça. Alors ça fait longtemps que j'ai pas ouvert un colis aussi grand. J'ai d'autres colis aussi grands, mais je peux pas vous les montrer. Mais là, tu vois, alors comment on ouvre ça? C'est bon, c'est comme ça que ça se passe, c'est comme ça que ça se passe. Par contre, on va éviter de prendre les couteaux, parce que moi et les couteaux, ça fait deux. Non, mais tu vois qu'il faut gonfler et tout. Qu'est-ce que c'est? Ah, oh, c'est un drapeau. Alors là, tu sais, c'est les drapeaux derrière les vélos. Tu sais, genre quoi, les jeux, tu dois attraper le drapeau de l'eau. Il y a ça. Quoi, tu pourrais faire ça, c'est mieux. Vas-y, pose-le. C'était Unwin, les deux frères mécanos. Oh, mais je comprends pas pourquoi il y a des grosses roues, il y a des petites roues. Bah, c'est un vélo bike. Genre, je peux mettre des grosses roues et des petites roues? Stop. Comment vous dire actuellement que j'ai affaire à deux... Comment je peux les appeler? Je sais pas. Je leur ai dit, ramenez-moi une trottinette. Regardez ce qu'ils m'ont ramené, s'il vous plaît. Ils m'ont ramené une poussette de bébé. Vous savez, les poussettes de bébé derrière les trucs, je vous affiche là, l'image, là. Voilà, ils sont contents. Ils rigolent depuis tout à l'heure. Ils m'ont ramené une poussette à bébé. Une poussette à bébé vélo. Bon, du coup, les gars, enfin, on a le... Oh, pour faire du sport, on a le bon colis. Parce que oui, Alien, qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi Alien a pris une poussette à bébé? Pourquoi? Bah, je suis trompé, hein. Non, mais les gars, j'envoie Alien. En plus, c'est le confinement, donc moi, j'aime pas trop sortir et tout. J'envoie Alien ramener, enfin, m'acheter un truc. Il me ramène une poussette à bébé. Vous savez, les trucs qu'on tire derrière. Je vous affiche l'image. Mais je vous la raffiche encore une fois pour voir à quoi ça ressemble, les gars. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Je me suis trompé. Ça arrive, hein, tu sais, parce que le colis était à côté de la poussette. Du coup, moi, je voulais prendre un colis neuf et j'ai vu bike. Je me suis dit bike et vélo. En fait, c'était un. Voilà. Il s'est trompé, quoi. En tout cas, voilà, on a le bon colis pour une fois et ça, ça fait plaisir. Et du coup, n'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne de l'Alien en masse. N'hésitez pas, il fait des nouvelles vidéos, il reprend parce que c'est vrai qu'il s'est arrêté un peu. J'avais arrêté en 4 mois que j'avais arrêté les vidéos. Il avait arrêté les vidéos et tout, donc forcément, voilà, ça fait qu'il fait plus de vidéos et tout. Mais là, il est de retour pour nous jouer de mauvais tours. En plus, il m'apprend qu'il n'y a pas longtemps. Donc n'hésitez pas à aller voir sa chaîne. C'est parti pour l'ouverture du colis. Let's go, tous deux, pour aller. Ouvrir ou toujours? Vas-y, ouvre. Juste les deux trucs là. Alors, par contre, le carton, on va éviter de les faire comme hier, on sait jamais. Là, ok. Là, d'accord. Là, tout de suite, je sens une énergie entre moi et vous qui regardez cette vidéo. Par contre, ce qui est chiant, c'est que c'est le confinement. On ouvre le premier colis. Vas-y, premier colis. Alien, je te laisse l'honneur. Qu'est-ce qu'il y a dedans? La notice. Avec les pieds. Ah, ouais, les quatre pieds pour. Bah, comment ça déjà, je me rappelle le cul. Une selle. Ça fait longtemps que j'ai pas fait du vélo. Les quatre pieds avec le petit. Une selle. Engin, pour regarder. Donc ça c'est. Ah ouais, c'est un petit chargeur. Hein. Ouais. Pour charger la voiture. Il reste les engins chargeurs des oreilles porteurs par terre. Ouais. Ah, c'est les trucs pour qu'ils se mettent derrière la roue. Je crois que ça va. Ah ouais, ça va là et là. Mais il y en a qu'un. Il y en a qu'un. On sait qu'il y en a qu'un. Mais d'avoir un deuxième carton, je crois. On va le porter à deux. Wow, pèse. Ok, ouais, il y en avait déjà un installé. Il y en avait un déjà installé. En tout cas, j'espère que vous kiffez. Et ce qui est bien, les gars, avec ce petit vélo, c'est que c'est écologique, c'est électrique. Et franchement, pour les petits déplacements à côté de chez moi, quand je vais voir mes potes et tout, ça va être pratique. Vaut mieux utiliser la,
la RS, on va dire, ça c'est un peu plus pratique, quoi, un peu plus agréable. Ah, j'ai trouvé. Faut juste porter le guidon comme ça. Il claque. Attends. C'est tout? Et après? Là, tu le resserres. Et après, tu fais ça. Ah ouais, c'est magnifique. En fait, hop, après, si je veux le ranger, oh, faut de la force. Hein. Wow. Chi. Chaud. Voilà, et on remet du coup. Bon, faut un peu de force, faut un peu forcer. Un petit peu de musculation, quoi. Bon, bah, les gars, voilà les nouvelles clés. Lamborghini Aventador, pour ceux qui ont reconnu. Par contre, j'ai. Qu'est-ce que tu nous fais, toi? Elle nous fait des trucs bizarres tout à l'heure. Ouais, c'est pour remettre ça. Ah, ok. Celle qui est une selle, ma foi, de très bonne qualité. Je vais voir si c'est confortable. Je vais me poser un peu après pour voir si c'est confortable. Et bah, écoutez, les gars, je crois qu'on a tout fait. On a tout. Ouais, on a tout monté. Mais non. Mais dis pas qu'on a fini là. Donc du coup voilà à quoi ressemble le vélo. Franchement je trouve que je vais très bien dessus. Allume voir les lampes. Alors attendez, là je l'allume. Bonsoir. Ici on a le truc pour allumer. Donc, tu restes appuyé. Tu vois, hop. Là j'ai éteint. Et là, hop, j'allume. Et du coup là aussi on a le niveau de batterie. Donc là on a 3, on est pas mal quand même. On est pas mal, alors que je... pour l'instant je l'ai pas chargé rien. Je viens de l'ouvrir. Et du coup ce qui est bien, c'est fourni avec 3 traits. Tu restes appuyé ici. Alors ici je sais pas si ça sert à quoi. Non. En fait faut rester appuyé. Donc là je reste appuyé sur le bouton là. Et bim, tu vas à la lumière qui vient s'allumer ici. C'est magnifique pour la nuit, pour ceux qui se déplacent de nuit. Roule avec, on voit comment ça. Bon, du coup les gars, on est actuellement en extérieur, on est juste derrière chez moi parce que vous savez, pendant le confinement, on n'a pas le droit de sortir. Donc faites bien attention à ça, restez bien chez vous les gars, respectez, il faut respecter, lavez-vous bien les mains. Voilà, on se lave les mains, petit tuto, on se lave entre les... on fait tout quoi, on fait tout pour le confinement. En tout cas, je vais tester ce magnifique Gamos, je vais pouvoir, j'espère que je pourrai en profiter après le confinement quand même. Ça ferait du bien. Ah ouais, regardez comment il est posé, allez, ça se va aller rechercher une gazelle. Sauf qu'il n'y a pas de gazelle. À part des murs et des fleurs, il n'y a rien d'autre. Donc du coup, je l'ai allumé. Mais franchement, je vais pas vous mentir, avec ce petit soleil. Tu peux montrer le soleil? C'est beau. Aïe, aïe, aïe. Bon, c'est parti. C'est parti. Je vais tester. Attention. Parce qu'en fait, faut mettre une petite poussée. J'appelle ça la poussée du singe Bamako. Tu vois, hop, là tu pousses. Et essaie de pas t'envoler aussi. Il va s'envoler. Il n'a pas de mine. Agréable. Franchement, il bombarde. J'ai pas encore testé la vitesse de pointe parce qu'en fait, tu vois, genre le volant, j'ai l'impression qu'il a du mal à, tu vois. Voilà, là, j'ai hâte de voir la ligne dessus. Bon, on me le casse pas. Hein. Ça fait une minute qu'on l'a, quoi. Une journée même pas. Déjà qu'il est instable. Comment on fait déjà? Comment on fait déjà? Bah, vas-y, pousse. Et après, t'accélères. Comme une moto, quoi. Il se met debout. Alors, alors, bon, c'est pas mal. Hein. Franchement, c'est stylé. Mais regardez comme la taille des roues. Je crois que c'est du 12 pouces. Hein. C'est 12 pouces, je crois. Hein. C'est écrit sur la boîte. C'est 12 pouces. 4, non, 12 pouces. 12 pouces, ah ouais, je suis pas fou. 12 pouces. Allez, il confond les 2 et les 4. 12 pouces, ça veut dire qu'on peut faire ça. 12 pouces comme ça. Remonte. Comment? 2, 3, 4, jusqu'à 12. Ah ouais, ah ouais. Ça, je crois que c'est ça. Mais par contre c'est très confortable, vraiment très très confortable. Au niveau de la vitesse de pointe on est à combien? Pour ceux qui veulent savoir on est à 24 km/h. Donc j'ai pas testé. Tu pourrais faire une petite roue ou pas? Une roue avant. Ah c'est chaud. Ça veut pas. J'ai freiné avec le frein avant. Jamais freiné avec le frein avant, que ce soit en vélo, que ce soit en moto, en ce que vous voulez. Jamais utiliser le frein avant. Le frein avant, c'est lequel? Bah, vas-y. Vas-y, accélère à fond et freine. Avec le frein avant, tu vas voir ce que c'est, qu'on va faire, ah, la moelle là-bas. Elle s'est levée, gros. Ah, ça y est, il est de retour. Pas mal.
balle, hein. Elle va pas trop vite, hein. Bah c'est 25 quoi. Bon du coup j'espère que cette petite vidéo vous a plu. On arrive à la fin de cette vidéo avec l'alien. N'hésitez pas à vous abonner à sa chaîne encore une fois. La chaîne de l'alien qui se trouvera en description. N'hésitez pas à vous abonner en masse à la chaîne de l'alien. Tu reprends les vidéos, c'est bon? Je reprends, ça fait longtemps, je reprends les expériences, tout. Voilà, il reprend tout. D'ailleurs, il a fait une vidéo d'expérience il y a pas longtemps. Moi, je vais aller me promener un petit peu. Non, on peut pas se promener. Mais j'ai envie de me promener. On peut pas, c'est le confinement. Voilà. Pensez à bien respecter le confinement. Encore une fois, je le dis. Et puis voilà. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si c'est pas déjà fait, à vous abonner, à activer la cloche. Et puis voilà, à me suivre sur mon Instagram. Et puis moi, j'ai envie de dire un truc. C'est bye, oh bye, oh bye. C'était magnifique. C'était le mini scooter. C'était Unwin. Et moi, je vous dis ciao.